It's about time. Vraiment à deux doigts, Matt. Je ne vous ai jamais laissé tomber, commandant. C'est pas faux. Et maintenant, sors-nous de ce merdier. À toutes les batteries, concentrez le feu sur l'avant. Allumage des moteurs 2 et 6. À tout l'équipage, parez pour le saut à mon signal. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu de Zerg depuis des années. Pourquoi ils attaquent Marsara maintenant? Ça ne concerne pas uniquement Marsara. Il faut que vous voyez ça. C'est un Zerg qui a lancé une attaque à grande échelle. La destruction se répand sur toutes les planètes de la Pérusimie de l'Enfer. Fait des milliards de victimes. Les Zergs viennent à l'instant d'attaquer une installation de recherche militaire du Temple. Oh putain de bordel de Dieu. De nouvelles images exclusives confirment que c'est bien la Reine des Lames qui dirige les sons. Impossible de savoir ce que vont nous balancer les Zergs ce coup-ci. Commandant, il faut nous assurer que notre matériel et nos munitions feront le poids. Ouais, je vais voir avec Swan à l'armurerie. Le connaissant, il nous a déjà préparé quelques améliorations. Désolé de vous demander ça, monsieur. Mais y a-t-il une raison pour que ce repris de justice traîne encore sur ma passerelle? Du calme. Ticus est un de mes plus vieux amis. Il m'a sorti d'un vrai merdier il y a quelques années. J'ai une dette envers lui. Mais votre ami a un casier judiciaire aussi long que... Et le mien. Crois-moi, si Ticus Findlay voulait me tuer, je serais déjà mort. Compris, commandant. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes à bord de l'Hyperion. Ça n'empêche qu'il a trois classes, c'est un battlecruiser. Le vaisseau de... J'ai déjà oublié son nom. Salut toi, la famille. Oh, attendez, excusez-moi deux secondes. Je fais un truc. Voilà, parfait. Je suis désolé. C'est que je... Tiens, il y a John Connor. Je suis en train d'upload l'épisode 2 et 3 en même temps, en même plus. Là, je suis en train de vous tourner le 4. Comme ça, vous êtes... non, excusez-moi, pour l'instant, il n'y a que le 2. Bon, allez, au boulot. C'est un sacré carrosse que t'as là, Jimmy. Comment tu t'es trouvé ce palais volant? L'Hyperion était le vaisseau amiral de Mensk à l'époque. Matt et moi, on a décidé de l'emprunter quand on a arrêté de bosser avec lui. Salut, ce vieux coucou nous a souvent tiré de situations moisies. En parlant de moisies, Ticus, pourquoi portez-vous encore cette combinaison sur ma passerelle? C'est vrai, ça? T'as coincé ta fermeture éclair ou quoi? Bon, d'accord. En fait, on m'a un peu aidé à m'évader. Disons que tout se paye, et ma combinaison restera verrouillée tant que j'aurai pour régler toutes mes dettes. Mais qui te réclame ces dettes? Qui t'a fait évader? Les gars de Möbius, bien sûr. Je suis pas juste tombé sur eux dans un musée, tu sais. Ces artefacts, ils tiennent vraiment à les choper. Faudrait mieux pas que tes dettes nous retombent sur la gueule, Ticus. Couvrir tes embrouilles, ça fait pas partie de notre accord. Ouais. Oh, c'est bien, passage. Allez, au boulot. Oh, génial. Oh, génial.
c'est génial ça. Merci. Homer. Non, j'ai pas envie de te parler, toi. Bonjour. Bonjour, hey, monsieur. Tout le monde, notre gueule. Swan. Ah, ça c'est mieux. Ouais, ça coûte combien? C'est pas mal. Ça c'est vachement utile. Et voilà. Allez, à plus. On retourne au quartier général. Et on passe à l'attaque. Quel est notre état général, Matt? Nous avons reçu un appel de détresse de la planète Agria. Il y a une colonie là-bas qui subit une attaque de Zerg. À tout vaisseau à portée de cette transmission, les Zerg envahissent Agria. Le Dominion nous a abandonnés. Nous ne sommes qu'une petite colonie rurale. Nous devons évacuer avant d'être submergés. Si vous entendez ce message, nous demandons votre aide. Alors, 100 000, ok. Je suis un vrai connard. Début de transmission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel de détresse, commandant. Je suis le docteur Ariel Hanson et je représente les citoyens de la colonie d'Agria. Enchanté de vous rencontrer, Doc. Vous pouvez m'appeler Jim. Quelle est votre situation? Les Zergs ont submergé nos défenses planétaires. La colonie est perdue. Pendant les 12 dernières heures, nous avons évacué des gens vers le spatioport le plus proche. Mais l'activité des Zergs est devenue si intense que nous ne pouvons plus passer. Si vous pouviez protéger la route, nous pourrions envoyer les groupes restants à quelques minutes d'intervalle. Vous inquiétez pas, Doc. On va tous vous escorter jusqu'au spatioport en toute sécurité. J'espère vraiment que ce sera le cas, commandant. Les Zergs sont plus terribles que ce que j'imaginais. J'ai peur. Allez, ellipse chargement. Salut, pour la personne qui regardera cette vidéo, je tiens à dire que... Alors là, vous allez voir que c'est... Voilà, il y a une petite grosse coupure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Fraps a décidé de se mettre à jour, ce qui est déjà très rare. En plein au moment où... En fait, Fraps coupe mes vidéos en trois parties, enfin ça dépend après des vidéos, coupe mes vidéos en parties, et il a décidé de se mettre à jour en plein au milieu de la deuxième partie. Donc j'ai le début, ce que justement tu vas voir. J'ai pas le milieu, mais j'ai la fin. La fin dure 30 secondes. Je suis plutôt dégoûté. Mais bon, comme j'avais fait tout ça en direct et que je ne peux pas le refaire. Je peux pas le refaire parce que sinon je suis obligé d'écraser tout ce que j'ai fait juste après. Ben, j'ai trouvé ça dans les archives. J'ai trouvé la fin de la partie dans les archives. Et ben, je vais quand même essayer de jouer. Je suis vraiment désolé. Vous voyez. Donc en fait, je vais expliquer le... Commandant, je détecte des perturbations sismiques en direction de votre position. Il doit s'agir d'une sorte de tunnelier Zerg. Donc en fait... Merveilleux. C'est bien leur style, ce genre de rebondissement. Ce qu'il s'est produit, en fait, c'est que... Normalement, vous devriez avoir vu tout ce qu'il y a avant. Ouais, je crois bien. Voilà, donc je m'ajoute une colonie. Excuse-moi. On fait tourner le matos. Oui, je sais ce qui fait bugger. Attends, je bug pas du tout. C'est le pire. Donc voilà, j'ai commencé par produire, voyez, ça c'était déjà présent. Je sais pas si ça c'est présent, j'ai l'amélioration des... Mauvaise nouvelle. Les médics. Je ne suis pas obligé de posséder un laboratoire technique pour pouvoir les produire. Nous avons voilà. Presque terminé, commandant. Un autre convoi sera bientôt prêt à partir. Donc je sais pas vraiment si ça c'était présent. Donc voyez ça, la femme qui est ici. Et une femme qui a besoin d'aide parce que la colonie est en danger, etc, etc. C'est triste, je pleure. Non, j'ai quand même... Non mais voilà. Donc en fait ils ont été attaqués par les Zergs. Et moi, de toute façon, je suis le gentil commandant. J'ai dû aller les aider.
Et voilà. Voilà. Laissez-vous crédit. Donc là, en fait, pendant toute la mission, j'ai dû faire des transports de d'habitants. Vous voyez comme ceci, on dirait des zombies. J'espère que c'est du sérieux. Ah, c'est atroce, on dirait des zombies. Voilà, donc en fait, écoutez. Écoutez. J'aime pas dire ça, c'est mauvais tic que j'ai. Ouais, donc je savais bien que j'avais perdu un flammeur. J'ai, en fait, dans la mission... Et on peut trouver des morceaux d'ADN comme. Est-ce que la route est sûre un peu plus loin? Ici. Bah, on va pas tarder à le savoir. C'est de l'ADN de chrysalide. En fait, on doit en trouver 3. Je vais vous le dire comme ça. Il y en a un ici. Il y en a un qui était caché ici. Et il y en avait. Les consultations sont ouvertes. Si mes souvenirs sont bons. Un ici. Voilà, en plus, au bordel habituel, c'est le périph. Oula, ça va pas plus pour ça. J'ai hâte. Bien reçu. Et donc, alors, à l'heure où je parle, l'épisode 2, justement, StarCraft 2 vient l'instant d'être upload. Le 3 est actuellement en cours d'upload. Le 4, c'est celui-là, je l'upload dès que j'ai fini. Le 5, je l'uploaderai un peu après. Parce que je sais quand même d'avoir une bonne cadence. Allez, go! On y va, on s'en fout, on abandonne tout. Bien reçu. Affirmatif. Go, mon VCS, t'es le plus fort. Bien, commandant. Ouais. Non, même pas. Voilà, 22h30. J'ai remarqué ça. Les colons sont touchés. Il faut les sauver. Ah bon? Ordre reçu. C'est parti. J'ai hâte. Alors, ces ordres, ils arrivent. Tiens, je savais quoi. On va faire ça comme dans les livres. J'espère que c'est du sérieux. 5 sur 5. Poussez-vous. On dit au revoir aux gens. Au revoir. On danse. Au revoir. Hein? Bien sûr. Ce n'est qu'un au revoir. Ouais, comme vous voulez. Ce n'est qu'un au revoir. C'est le dernier. En avant. Décollez tout de suite. Allez, au revoir. Nickel. Nous avons perdu la colonie. Mais nous nous en sommes sortis grâce à vous, commandant. Alors. Je voulais pas non plus gâcher quand même la fin. Et voilà. Bon, je tiens quand même à m'excuser. Énormément. Poing. Et voilà, bon, alors je vais expliquer. Attention, fragile, évacuation en mode sans paire de camion de transport, sans faire exprès. Il y a un camion qui a explosé, mais bon, après, il n'y avait pas eu de problème, tout le monde a continué. Recycler un bâtiment, je crois que j'en ai recyclé un. Oui, comme un con, j'en ai recyclé un. Et donc, voilà. Je suis vraiment désolé, mais bon, ben, ce sera un épisode un peu plus court, mais bon, avec tous les autres que vous avez qui vont venir, je pense que vous me pardonnez. Allez, à bientôt. Je me sens con.